Voilà, il fait nuit. Une tige. Allez, dites-moi qu'on y arrive, s'il vous plaît. Il va pas vouloir me mettre. Est-ce qu'il m'en faut encore un? Est-ce que je peux mettre juste un... Je vais essayer de monter. C'est compliqué, mais ça passe! On y est! Oh! I'm getting thirsty just looking at all that sand. Ok, c'est un bac à sable en fait. Alors par contre, j'avoue que sauter comme ça dedans, ça me paraît être un mauvais plan. Je préférerais descendre en douceur. Là, il y a une pelle pour descendre. Mais là, il y a du sable. Je pense qu'on va descendre par là. Bon million. Alors, on va regarder... non, c'est pas là-dedans. Donner. L'arbre, non. Fourmilion. 3 cœurs. Cette créature se terre dans les dunes du bac à sable. Épaisser sa carcasse permet d'obtenir des morceaux de fourmilion et une pince de fourmilion. Est-ce que vous croyez qu'on peut tuer ça ou on se fait défoncer? Je l'entends, mais je le vois pas, j'aime pas ça. Poteau de tyrolienne attachée. La tyrolienne. Attachée à quoi? Ah! Ouais? J'ai pas de soie. D'accord. Ça fait loin et c'est plus de là-bas qu'il faut la prendre que d'ici. J'ai peur du fourmilion quand même. Et coucou Moro Titan, coucou de l'ombre. Est-ce que le jeu est bien? Ouais, franchement, clairement. Il est très très bien. Et là, je suis pas très rassurée. Il va m'arracher ce truc. On va mourir encore, hein. Ravie de vous avoir connu. Il est pas dans le sable, ça lui plaît pas, je crois peut-être de pas être dans le sable. Ah! Pourquoi vous faites ça? C'est pas très gentil. Il retombe dans le sable, c'est mauvais. Ah, là, il s'énerve. Il se bat avec un truc. Il se bat avec un truc. Il se bat avec une fourmi, je crois. Wouh. Easy. Non, je crois que le fait qu'il était pas dans le sable, il a pas aimé. Il a pas aimé ne pas être dans le sable. Moi par contre, ça m'arrange clairement. On va pas se mentir. C'est son problème, c'est pas le mien. Je te l'avais dit, Izzy. Ouais. Par contre, s'il y en a d'autres, j'ai peur.
Morceau de fourmilion. Ce bac à sable me fait peur quand même. Vous avouerez que je suis pas très sereine. J'entends trop des bruits qui font peur. Pas rester dans le sable. Je crois que j'ai jeté mon arc. En flippant. Ok, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ça va très mal se passer. Mon arc. Il fait mal. Il fait très mal. J'ai mal. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Oh la vache. Alors, je ne sais pas comment c'est possible, mais je suis quasiment sûre d'avoir jeté mon arc. Un coucou des drakes. Je sais pas, j'ai flippé, j'ai appuyé sur toutes les touches. Il faut que je retrouve mon arc. Je l'ai plus dans ma barre. Je sais pas ce qui s'est passé. J'avoue que j'ai un peu flippé là. Dites-moi qui a mon arc. Oh, il a dû tomber tout en bas en plus. Il est là. Rendez-moi mon arc. Ah ! Mais il y en a plein de ces saletés. Oh. La pauvre fourmi, elle va se faire arracher. Ah non! C'est pas le moment de me faire peur! C'est pas la fête là, c'est la panique. C'est pas tout à fait pareil. Reste là-bas, viens pas. Meurs. Tout va bien. Tout va extrêmement bien. Je ne panique absolument pas. Merci pour les GG. Mais non, mais la pauvre fourmi, vous avez vu comment elle s'est fait arracher? Ils étaient à deux contre elle en plus.
Et j'ai soif, alors moi je reste pas dans le sable. Le sable c'est dangereux. Vous avez vu en plus comment ils s'enterrent et tous les trucs? Oh non mais... Hydration is the key to performance. Moi je suis vraiment pas fan, hein. Mais en vrai, il y a peut-être moyen de se faire une armure avec eux. Ce qui pourrait être pas mal, je pense. Mais non, mais j'ai trop peur quand ils me sautent dessus. Débarque comme ça dessus terre. Moi, je suis désolée, ta copine elle est morte, hein, c'est pas moi. Par contre, ça, je crois qu'on peut le récolter, non? Ah bah c'est long à couper. Aïe 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 aïe. Mange tes flèches. J'ai plus d'énergie. J'ai plus d'énergie. On se repose, on se repose. Tout va bien, il bouge pas. Moi c'est dans le parasol. C'est plus une ombrelle qu'un parasol, mais bon, c'est pas grave. Trouver la bonne strat. Non mais j'avoue. Mais je pense que pour le moment ça marche, mais en plein milieu du bac à sable, je veux pas dire, ce sera pas la même chose. Hein. En plus, j'ai plus de bandage. Donc voilà. Mais j'ai que de la nourriture pourrie. Mais vous entendez? On les entend. Hein. Ah, ils m'ont donné des pinces aussi. J'ai 13 morceaux de fourmilion. Il y en a d'autres. Il y en a plein. Il y en a tout plein en vrai. Est-ce qu'on rentrerait pas à la maison histoire de ramener ça? Tenter de farmer les cloportes. Ouais, ça pourrait être une bonne idée aussi. Mais je pense que je vais déjà aller analyser ça, les trucs de fourmilion. Ouais, labo. On va aller au labo. On va rentrer tranquillement, je pense que. Du coup, il y a une puce hein, en plein milieu du. Du bac à sable. Peut-être plus revenir de jour, on y verra plus clair. Peut-être la tyrolienne elle vient carrément depuis la table de pique-nique. Hein. C'est-à-dire que si on arrive à monter sur la table de pique-nique, c'est pareil, si on répare la tyrolienne, on peut arriver jusqu'ici en tyrolienne, ça peut être pas mal. Hein. Ouais, elle est du haut de la table de pique-nique. Il me faut 12 soies. Non, je me plante de touche. C'est-à-dire qu'on peut monter tout là-haut. Il y a moyen. Je pense que c'était déjà bien hein, pour une première visite ici. Hein? Ouais. On va aller se trouver un labo. On va aller déposer un peu tout ce qu'on a dans l'inventaire aussi, parce qu'on a pas mal de choses au final. Hop, atterrissage parfait. Ah, c'est une goutte d'eau. Je me demandais ce que c'était là. Ouais, on va gentiment, tranquillement rentrer à la maison. On a bien exploré.
On n'y voit rien, mais Bam! Allez. Alley-hoops, bringing the light. Besoin un peu de lumière. Par contre, ce qui m'embête, c'est que je sais toujours pas faire les améliorations rang 2, quoi. Avec le quartz robust. Le quartzite robust. Pourquoi je veux toujours que ce soit du quartz, moi? Ouais, j'aime bien le quartz. Mais c'est du quartzite. Fais l'incliné! Du marbre. Du marbre robuste. J'ai de la place? Au pire, on gardera la torche et puis jusqu'à ce qu'elle se casse. Ça, je peux pas laisser. Inventaire plein! Non, 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 non. Jette-moi la viande pourrie, ça, on s'en fout. Je sais pas ce qui fait ce bruit, mais... Ça fait du bruit. Bon, par contre, fais attention de pas passer par la zone contaminée. Inventaire plein. Moi, je sais que j'ai inventaire plein. Je veux pas ramasser des branches où les gens fassent. Alors, par contre, là-dedans, ça va être masse moustique. On va peut-être éviter. Les moustiques. Ça peut être un peu violent quand même. Hein. Hop, punaise. On évite aussi les punaises. Ça, c'est un moustique. Je suis pourchassé par un moustique. Et je suis coincé entre deux feuilles. On s'arrête pour boire un coup dans la canette, normal. À côté d'une grosse toile d'araignée, à côté d'une très grosse araignée. Normal, tout va bien. N'empêche, on s'aventure de plus en plus loin dans le jardin, c'est bien. On s'en sort bien, moi, je trouve. Bon, on se fait tout le temps pourchasser par quelque chose, mais... Oups. Je crois que je suis tombée dans un trou. Ça va, y'a rien. Ah mais c'est clair, hein, je veux pas dire, mais il y a les hot dogs, il y a les gâteaux, il y a les canettes, les jus de fruits. Bon, le nain de jardin, lui, ça me paraît normal qu'il soit là, y a pas de souci. Mais il y a plein de trucs qui n'ont rien à faire dans un jardin. Hein. On a vu un frisbee aussi, bon bah ça c'est un jouet qui a fini dans la haie. Ah, ça va encore, c'est quelque chose de normal, mais... Mais je suis désolée, les canettes et... Je peux pas ranger la torche. À moins que je prenne le bouclier. Mais ouais, il y a trop de déchets. Hein. Trop de déchets dans ce jardin. Ça, c'est pas normal. Hein.
Maison! Maison, 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 me voilà! Ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas revenu! D'abord labo. Avant maison, labo. Maison du bout du monde. Oh, elle est pas au bout du monde, mais... J'avoue que là, on en fait du chemin. C'est pas la porte à côté. Oh, mais quelle est con, celle-là! Ça va pas, non? Mais d'où est-ce qu'elle sort? Je peux même plus être tranquille pour aller au labo. Ah! Mais non! Ok, j'ai que le fourmilion et sa pince, là, à analyser. Poncho en fourmilion, chapeau large de fourmilion. Et éperon de fourmilion. Et ben voilà un nouveau stuff. Le stuff en fourmilion. Et la voilà pas. Épée de fourmi noir et pelle de fourmi noir. Ouh, la pelle, ça serait pas la pelle T2. Et l'épée. Oh, l'épée de fourmi noir. Oh. Épée longue de fourmilion. Ouh là 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 là. Par contre, ce qui m'embête, c'est que je peux toujours pas faire les... À moins que ce soit... soit avec ça qu'on l'apprenne. Ça, c'est fondation en gravillon. Donc, ça va pas être là-dedans. Fondation, rampe, chemin... Ok. Une collection de nouvelles décorations à afficher dans le cadre. Ça, on s'en fout. Échelle gagne de l'espace. Non, rien. Une échelle à barreaux fabriquée à partir de tiges. Un délicieux plat, ça c'est de la nourriture. Ça c'est pour réduire les dégâts de chute. Des décorations. Augmente ton endurance maximum. Des décorations. Permet de localiser d'autres scabs. Fondation flottante, donc ça c'est pour faire des bases incurvées. Soupe de nageoire, donc ça c'est encore de la nourriture. Et tourelle à pollen. Il n'y a pas... Ouh, attendez, j'ai trois... Ah, bah j'en voulais trois justement pour activer une mutation de plus. Let's go! Let's go, let's go. Je suis en train de mourir de soif. That tastes really good. Voilà, on boit un petit peu. Parce qu'en fait, ça m'embête beaucoup. Oh, je peux faire les briques en champignons. Mais voilà, j'ai les pierres aiguisées, donc j'ai le T1. Mais je n'ai pas débloqué le T2 avec les robustes. Je sais pas comment on le débloque. Hey Match Coco, comment ça va? Bienvenue à toi. Et ça, ça m'embête vraiment parce que... Putain, mais t'es toujours là, toi. Mais tu m'attendais ou quoi? Elle m'attendait totalement, elle. Eh oh! Laisse-moi tranquille, hein. Ouais, du coup, j'ai besoin de ces ressources-là en T2 pour améliorer mon stuff de coccinelle, là. Mais je sais pas comment le débloque. C'est un problème. Un véritable problème là-dessus. Ah, maison. Nous voici en sécurité. Il était temps. Ah, ça fait quand même du bien de rentrer chez soi.
On va remplir la gourde. Mal. Les morceaux de fourmilion. Bon, on va les ranger. Comme les morceaux de fourmi noir et tout le reste. Et ça et ça. Oui, parce que j'ai des niveaux supérieurs, j'ai les ressources, mais je peux pas les... Voilà, ça c'est du T2. Éclat de quartz vitre robuste. Utile une chose, améliorer les armes. Mieux que les pépites normales. Est-ce qu'il y aurait pas un truc que je n'aurais pas fait? Ouh, alors déjà, regardons un petit peu. Ouh! Oh, l'épée longue de fourmilion, c'est une T3. Par contre, il me faut 7 pinces de fourmilion. Va falloir en tuer des fourmilions si on veut la faire. Mais j'avoue qu'elle serait tellement bien. Regardez les dégâts qu'elle fait en étant assez rapide. Ça, c'est pas mal du tout. L'épée de fourmi noire, bon, il faut du cuir de baie et des mandibules de fourmi noire. Elle est très rapide. Pas mal. Ah, des mandibules et des têtes, ça j'en ai pas. Mais c'est bel et bien la pelle T2. Flèche à la menthe. Il inflige des dégâts de froid. Hein? Le chapeau de fourmilion. Ah, c'est du T3 aussi. Et je peux carrément le faire en plus. Protection contre la grillade. Armure moyenne. Ok. Le poncho de fourmilion. C'est pareil, c'est du T3. Pince de fourmilion, il m'en faudrait juste une deuxième. Eh, va falloir tuer des fourmilions, je crois. Hein. La défense qu'il offre, le machin. Ah, et ça, il me faut du duvet d'abeille. Protection contre la grillade. Ah ouais, non, mais j'avoue que j'aimerais bien faire le stuff de fourmilion. Tout le monde asperge tous les organismes. Une petite zone, une douche saignante, le jet de sang filtré. Attendez, ça soigne ce truc? C'est un soin ce truc-là? C'est très bizarre. Ouh, résistante sous dégâts, c'est pas mal ça. Ça, c'est nul, on s'en fout. Ben, en vrai, le stuff de fourmilion. Il me paraît être pas mal du tout. J'ai pas quoi faire, la nourriture pourrissante. Ouais, non, sinon ce que je voulais voir, c'est est-ce qu'il n'y a pas des trucs que j'aurais pas fabriqué? La broche à rôtir, je l'ai fait par celle de la jardin, j'ai fait ça, j'ai fait. Réservoir d'eau, j'ai jamais fait. Ce gland peut contenir jusqu'à 6 gouttes de liquide. Ok. Parce que le rouet, je l'ai fait, l'établi, le collecteur de sève, le broyeur. Poteau de tyrolienne. Poste de forge. Est-ce que ce serait pas sur le poste de forge que ça se fait? Je sais pas, est-ce que...
Non, je peux rien en faire.